Il y a super longtemps que je n'ai pas présenté une batterie externe sur la chaîne et aussi que je n'ai pas fait un jeu concours. Donc je vais te présenter et te dire ce que je pense de cette batterie externe qui est numéro 1 des ventes sur Amazon. Et un peu plus tard dans cette vidéo, je te montre et je te dirai comment participer pour emporter cette batterie. Salut, c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien. Perso, ça va nickel. Si tu aimes les tests et tutos, les actus du monde de la tech, ben, tu es au bon endroit. Alors n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Alors, cette batterie est de la marque Giga. Pas très connue, c'est vrai. Au moment où je fais cette vidéo, elle est quand même numéro 1 des ventes sur Amazon. Elle a une capacité pas dégueu de 30 000 mAh, largement de quoi charger plusieurs fois nos smartphones, tablettes, etc. Le plus, c'est que cette batterie permet de charger plusieurs appareils en même temps et en délivrant la même charge en simultané. Dit comme ça, ça paraît tout bête, mais dans certains cas, ça peut vachement être utile. Autre chose de plutôt cool, la batterie est rechargeable via le port micro USB, USB-C et le port Lightning. En fait, les trois ports USB dits standards permettent uniquement de charger des appareils, alors que l'USB-C Lightning et micro USB permettent aussi de charger des appareils, mais aussi de recharger cette batterie externe. Comme la plupart des batteries externes, elle est munie d'une lampe. Pour l'allumer, il faut rester appuyé sur le bouton du dessus, et pour l'éteindre, il faut aussi rester appuyé dessus. Alors justement, autour de ce bouton, il y a les LED témoins de charge restantes de cette batterie. En fait, ça va par tranche de 25%. Et ça, c'est toujours bien pour savoir ce qu'il reste comme capacité de la batterie. Justement, cette batterie est livrée avec un câble micro USB et un livret d'utilisation. Bon, en même temps, pas vraiment besoin de livret pour l'utiliser, c'est ultra simple. Alors voilà pour la présentation, maintenant ce que j'en pense. Par rapport au point cité juste avant, elle est vraiment bien. Par contre, elle est lourde, mais très lourde. Elle fait quand même 500 grammes, ça fait lourd. Je me dis que c'est par exemple exactement le style de batterie qui va bien pour ceux qui voyagent. En train, en avion, tu poses ça sur une tablette et hop, tu recharges tes appareils. Ou encore, quand tu es dans ton lit et que tu regardes tranquillement un film sur ton téléphone ou ta tablette, tout en les rechargeant. Bref, vu son poids, il vaut mieux qu'elle soit posée, parce que la tenir à la main risque d'être vite pénible. Cependant, ça reste une batterie externe avec un rapport qualité-prix très intéressant. Au moment où je fais cette vidéo, elle est à 28€ sur Amazon au lieu de 32,95€. Tu trouveras le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, pour participer au jeu concours et tenter de remporter cette batterie, voilà comment ça se passe. Il faut me suivre sur Instagram et répondre à la story en écrivant « Je participe ». Le jeu concours commence maintenant et se termine le 23 mai. Je contacterai le ou la gagnante par message privé le lundi 24 mai. Voilà, bonne chance à tous. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses et si tu utilises aussi des batteries externes. Comme d'habitude, si tu as aimé, fais péter tout ce qui va bien, ben, ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, ben, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description, en dessous de cette vidéo. C'était Stéphane, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut.